Bonjour, bienvenue dans le quotidien de Bruno. J'espère que tout va bien pour vous. Regardez, j'ai fait une structure, j'ai une petite structure fine un peu pour les haricots et je vais m'en servir pour faire monter ce petit pêcher, pêche plate. C'est un petit pêcher, hein. C'est un petit pêcher, vous voyez, c'est un pêcher, c'est un franc, un pêcher. C'est un pêcher franc tiré d'un noyau et je vais essayer de le faire monter. Et là, il faut que je le fasse aussi, regardez, et c'est tout doucement, hein. Prendre une courbure doucement, il ne faut pas attraper la branche là, ça casse net, il faut vraiment la prendre au bout, regardez, pour ne pas la plier, et la plier doucement, pas plus que ça. Et là, je vais l'amener comme celle-là, je vais faire une structure là, vous voyez, et je vais le faire passer par-dessus le truc. Et ça, regardez, la guirlande, comme je vous montrais, hop, comme ça, regardez, hop là, voilà, tout protection avec le truc, impeccable. Mon guirlande, elle est protégée, je l'aurais montré, ça la guirlande. Là-dessous, j'ai mes crônes, il faut que je les dissémine un peu partout, vous voyez. J'ai rangé un peu le jardin, c'est moins sale. J'ai encore ça à ranger, vous voyez. Tous les bouts de bois ici, à virer. On range un peu, parce que sinon c'est trop sale. J'ai encore un peu là, regardez. Des choux, mais je pense pas que je pourrais encore en avoir. Malheureusement ici, c'est décidément impossible. Trop peu profond, pas... c'est que du sable. Il aurait fallu que je mette un gros pourcentage de, vous voyez, de fumier et j'aurais peut-être pu en avoir. Là, j'en ai presque eu, regardez. Mais c'est dur. Hein. Il faudra vraiment mettre beaucoup de fumier. Ça coûterait plus cher que le chou. Voilà, on ne peut pas. C'est comme ça. Voilà, vous voyez, tout se porte bien. Les plantes se portent pas mal. Elles n'ont pas l'air de souffrir trop du froid. Elles sont avec leur chaleur, le piège à chaleur. C'est pas spécialement froid, vous voyez. Ça leur fait de la chaleur. Là, c'est ça. C'est un... Quand ça s'appelle ça, il faut que je le couvre aussi un petit peu. S'il fait vraiment bien moins que moins 2, un petit coup de râteau dessus pour le protéger. Et ça devrait être bon. Je devrais pouvoir le protéger. Et ben voilà, j'ai à peu près tout montré, je pense. Voilà, vous voyez. Je vous remontrerai des petites vidéos si vous voulez. Je peux mettre ça déjà au pied. Ça pourra déjà bien isoler. Un bout de bois comme ça, regardez. Ça lui fait déjà une isolation thermique importante. Ça évite de venir choper le pied au bord et après des feuilles par-dessus pour moins que ça pourrisse. Ça ventile le pied, les bouts de bois comme ça au pied, vous voyez, et puis après derrière là une grosse couche d'herbe, ça devrait faire l'affaire. Allez, à plus, je vous montrerai deux petites vidéos, hein. Il faut que je vous montre un peu, il y a encore pas mal de trucs à faire dans le jardin. Vous voyez, il y a encore des fleurs et tout, c'est marrant, il s'est fou, il y a encore plein de fleurs. On peut mettre le truc, même si on veut, je peux vous démontrer. Il y en a qui aiment bien, peut-être la vie longue, un peu longue. Hein? Je sais pas. Voilà. Bah écoutez, la plante grosse, elle se porte pas mal là aussi. Regardez, elle est costaud. Là, il y a mes plantes qui sont bien à l'abri. Il n'y a pas de souci. Ça, faut que j'y ramasse, comme je vous ai dit. Je vous montrerai une vidéo demain quand ça sera un peu plus propre. Ça vous fera plus. J'ai monté tout le bois. Hein. Il y en avait pas mal à monter. Ça, c'est des tas de compost, vous voyez. Ici, qui se prépare. Je le fais plus trop. Je fais du compostage de surface, mais que l'été. Avec les salades. Une salade qui a repoussé. Là, les poireaux, ils n'ont pas pu. Ah, ici, c'est trop sableux. J'ai rien. Il faudrait des quantités de fumier vraiment énormes. Voilà, je vous ai tout montré. Voilà, j'ai réparé mon fil aussi. Il était cassé, je ne vous ai pas montré, c'est dommage. Il était cassé là, voilà. Alors, à plus, allez, la bise. Des gros bisous à tout le monde. Hein? Ça, il faut y mettre aussi. Je vous montre un peu. Hein. Tous mes petits arbres. Des petits... Ça, c'est ma truc d'eau. Voilà, c'est un petit arbre que j'ai fait moi. À partir d'une racine, ouais, d'une bouture. C'est du macro. Rosé macro, mes fraises, mes buts à fraises. Ici, il faut que je les nettoie un peu. Ça, ça gèle pas contre le mur pour le moment. Ça a pas l'air de geler, hein. Je les laisse comme ça abriter, il faudra que je mette 2-3 pavés derrière. Faire un piège à chaleur encore plus important, ça c'est la... Je reste avec cette année, la machine... comment ça s'appelle... aubergine. Je tente mon coup, encore. Là c'est mon compost. Ça c'est des chicorées, regardez. Elle pousse bien. Là il faut que j'y ramasse, ça a été entraîné par les oiseaux. Faut que je nettoie tout bien ça, vous voyez. Puis je plante un peu mié et tout. Faut que je vous montre. Il y a encore du boulot, et puis je remets un peu des piquets là. Faut que je vous montre un peu, il y a encore du boulot, du taf. Allez, à plus!
les amis, la bibise, la grosse bibise à tout le monde, hein. Je vous referai des petites vidéos bien sympas que je fais, hein. Je sais que vous aimez bien, hein, ça je vais y emmener dans le tas de compost, on y fait pour rien, ça fait de la matière, tout. Lui, il n'a jamais si bien poussé, pourtant il a l'ombre, regardez un peu les tiges qu'il me fait, mon petit machin là, de mon asperge d'Argenteuil, costaud, hein. Bah écoutez, tout se porte bien, même elle se porte bien, la consoude, la machine, je veux dire, la sauge, tout est pas mal. Je vous dis à plus, je vous remettrai la petite vidéo là. Hein, je suis en train de faire mon truc, je vais vous filmer. Comment ça s'appelle, la petite travailleuse. Je vais l'attaquer, je vais vous y filmer. Hein.